Salut la team XL, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur la nutrition. Donc je vais vous donner mes petits conseils, vous expliquer pourquoi je favorise certains aliments plus que d'autres. Je vais vous donner mes petites astuces, vous expliquer comment perdre du poids, comment prendre de la masse, ou bien encore comment avoir des muscles beaucoup plus dessinés. Donc cette vidéo, elle s'adresse à vous tous et vous toutes. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti la team. Donc je vais vous expliquer comment ça marche. Il y a deux manières de manger. Tu vas retrouver ceux qui veulent prendre du poids, du coup qui vont beaucoup plus manger que ceux qui veulent forcément perdre du poids. Par exemple, pour une personne de, je te parle, je te prends mon exemple. Je fais 1m80, je pèse 75 à 78 kilos. C'est mon poids de forme, je reste dans cette zone-là. Mais par exemple, pour ma part, pour quelqu'un comme moi, il faut un apport calorifique journalier entre 2000 calories et 2200. Donc, en fonction de ça, tu vas savoir quelle quantité il va falloir que tu manges, quelle quantité il va falloir que tu consommes par jour pour maintenir ton poids. Si du coup tu veux prendre du poids, forcément tu vas manger, tu vas avoir un apport calorifique beaucoup plus élevé. Si tu veux perdre du poids, si tu veux diminuer, il va falloir être en dessous le seuil, mais pas trop non plus. Je t'expliquerai plus tard, du coup, pour pas faire cet effet de yo-yo. Donc, tu as deux catégories. Les personnes qui veulent prendre de la masse, qui veulent prendre du poids, qui veulent prendre du muscle, et les personnes qui veulent perdre du poids, ou bien les personnes qui veulent tout simplement stagner. Pour ceux qui veulent perdre du poids, je vais être beaucoup plus explicite pour ces personnes-là, parce que c'est là où moi je me trouve. Pour prendre de la masse, je peux également vous expliquer comment, mais c'est vraiment pas ma spécialité. Et une fois de plus, si vous voulez être un suivi, si vous voulez un suivi parfait, il va falloir que vous approchiez de spécialistes, de nutritionnistes qui sont spécialisés pour ça et qui vont totalement pouvoir vous accompagner de A à Z et professionnellement parlant, ce sera beaucoup plus s'adapter. Voilà, ce qui marche pour moi, je parle vraiment de ce qui marche pour moi dans ma vie de tous les jours, ce qui fonctionne, ce que moi j'utilise comme méthode, etc. Pour les autres, essayez plutôt de vous rapprocher de professionnels. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'aliment magique. Il n'y a pas d'aliment qui te fait perdre du poids. Tu n'as pas d'aliment qui va te faire prendre 2 kilos en un repas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'aliment magique. Donc, tu as vraiment ceux qui veulent perdre du poids et qui vont, il va falloir faire quoi? Faire attention, du coup, aux étiquettes. Avant, je ne regardais absolument pas les étiquettes. Depuis que je fais attention à mon poids, je regarde maintenant les étiquettes, les aliments qu'on retrouve. Déjà, ça part de où tu fais tes courses pour commencer. Qu'est-ce que tu retrouves du coup dans tes aliments? Donc, tu lis les ingrédients. Il faut regarder les tout premiers ingrédients que tu retrouves dans ta liste. C'est-à-dire, plus ils sont devant, plus c'est ce que tu vas retrouver en plus gros nombre. L'apport en calories. Donc, forcément, plus il y a d'apport calorifique par gramme, plus forcément, bah, c'est riche et. Puis tu vas prendre du poids si tu en manges en grosse quantité. Donc il va vraiment falloir faire attention à ça et à vérifier quotidiennement ce que tu manges du coup pour connaître ton quota de calories par repas, par aliment et au fur et à mesure de les manger, de manger la même chose, tu les connaîtras et tu sais que voilà, là dans mon assiette, j'ai approximativement 500 calories, 700 calories. Et au fur et à mesure, bah, tu connaîtras vraiment quel aliment je peux manger, en quelle quantité, quel aliment je préfère supprimer ou vraiment en cas de soirée festive ou d'occasion, te faire plaisir et te lâcher. Donc moi, vraiment, ce que je fais, c'est que je choisis vraiment des aliments à baisse quantité calorifique. C'est-à-dire, je fais facilement moi, attention, je suis quelqu'un d'assez simple et c'est pas vraiment pas tout le monde, mais moi, je me satisfais vraiment facilement dans les légumes, dans la salade, dans les aliments très très pauvres en calories. Donc, j'ai vraiment pas de souci de ce côté-là. Ça va être beaucoup plus difficile pour certaines personnes. Mais moi, je m'y retrouve assez facilement. Donc, facilement, tu vas me voir avec des assiettes de salade ou autres. J'ai même des personnes de mon entourage, notamment un de mes frères qui m'appelle, qui appelle mes assiettes l'assiette de graines. Parce que. Je mange que des trucs qui vraiment lui ne lui plaisent pas. J'en ai d'autres qui m'appellent la tortue.
parce que je suis très souvent en train de snapper ou de photographier mes plats le soir. Et le soir, bah, je mange très léger. Donc, majoritairement des salades le soir. Donc, souvent même, vous pouvez voir dans mes snaps ou dans mes différents réseaux sociaux, quand je photographie ou je snap, je mets une petite tortue. Du coup, pour mes potes qui se moquent de moi. Donc, je vous explique. Donc, je vous explique rapidement comment moi je décortique ma journée et mes repas. Donc, le matin, dans un premier temps, je prends un petit déjeuner. Je vous avoue que le petit déjeuner, je vais vous dire que je fais pas attention, mais en fait, parce que j'ai pris des habitudes qui font que maintenant, bah, je sais ce que je veux, je sais ce que j'aime, je sais comment je mange. Mais je dirais, j'ai envie de dire, le petit déjeuner, je fais pas attention. Je mange vraiment ce qui me plaît. Je me permets vraiment, parce que je sais que le petit déjeuner, on sort de généralement de 6 à 8 heures de sommeil. Donc, on peut manger le corps éliminé. C'est comme si on avait effectué un jeûne par intermittent. Donc, on peut vraiment se permettre de manger ce qu'on peut. Puisqu'on a toute la journée pour en plus éliminer. On a en plus toute la journée pour en plus éliminer les calories qui ont été prises durant ce petit déjeuner. Surtout pour moi, pour ma part, j'ai facilement deux entraînements par jour. Un sur un certain, parfois deux entraînements par jour. Donc, je sais que je peux vraiment me faire plaisir au niveau du petit déjeuner. Donc, ce que je fais, généralement, le petit déjeuner, je ne me prive pas. J'aime beaucoup les petits déjeuners salés, donc des œufs, du pain, un peu de blanc de poulet pour accompagner, plus un peu après pour finir une sucrerie, un pain au chocolat ou autre, quelque chose de sucré. Donc là, vraiment, je peux me faire plaisir avec un verre de jus d'orange. Le midi, j'essaye, parce que c'est pas toujours facile de pas manger entre les deux, entre le petit déjeuner et entre le midi. Donc le midi, tout dépend aussi, voilà, comment s'est déroulée ma journée. Parfois, je m'entraîne le matin. Parfois, j'ai pas l'entraînement du matin et je m'entraîne l'après-midi. Donc, vraiment, tout dépend de ce qui s'est passé entre le petit-déj et le midi. Mais généralement, le midi, du coup, bah, une assiette assez simple, pas une grosse assiette. Favorisez, du coup, les petites assiettes. Si vous voulez maintenir votre poids ou bien perdre du poids, des petites assiettes. Il faut savoir qu'il ne faut pas se resservir. Et que les petites assiettes, ça. Du coup, ça vous donne une perception, bah, que votre assiette soit remplie déjà. Donc, dans cette assiette, on retrouve protéines, féculents et légumes. Donc, protéines, source de protéines, ça va être du poisson, des œufs, de la viande bleue, de la viande blanche ou bien de la viande rouge. Moi, personnellement, je mange pas de viande rouge. C'est très, très, très rare. Je ne vais pas dire jamais, mais c'est vraiment très rare que vous allez voir manger la viande rouge. Donc, des œufs, du poisson, viande blanche ou viande rouge, féculents, riz, pâtes, pommes de terre, et en légumes, ça peut vraiment varier, on peut vraiment tout retrouver. Mais ce que j'essaie de faire, c'est de mettre beaucoup plus de légumes que de protéines ou que de féculents. Ça, c'est pour le repas du midi. 16 h, une collation. Donc la collation, ça va être une barre de céréales, soit une barre de céréales, soit un fruit, soit des noix de cajou, j'aime beaucoup les noix de cajou, soit des amandes. Avant, je mangeais énormément de gâteaux, j'adore les sucreries, j'adore les biscuits, ce qui est grignotage et tout. Donc, pour ceux qui sont dans le même cas que moi, c'est super dur d'arrêter. C'est super, super dur d'arrêter. Donc, ce que je vous recommande, parce que arrêter quelque chose du jour au lendemain, c'est super dur. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé en fait mes mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Donc tout ce qui est grignotage, jus gazeux, etc. En fait, faut vous dire qu'il faut remplacer. Donc les petits gâteaux que je mangeais, j'ai remplacé par des bonnes choses. Des noix de cajou, des amandes, des noisettes, des raisins secs, des bananes, des fruits, etc. Donc il faut remplacer en fait par quelque chose que vous aimez. Et par quelque chose du coup qui est bon pour vous. Pareil pour les jus gazeux, par exemple, la petite astuce, je suis pas fan de jus gazeux, mais parfois ça m'arrive d'en boire. Mais si toutefois vous êtes vraiment accro au jus gazeux, ce que je peux vous conseiller, c'est de remplacer le jus gazeux par de l'eau pétillante, par exemple. Vous allez retrouver du coup la même sensation. Donc vous remplacez par de l'eau pétillante. Si au tout début c'est vraiment trop dur, vous trouvez ça trop amer parce que voilà, ce petit goût sucré là vous manque,
Ce que je peux vous recommander dans un premier temps, c'est d'ajouter un tout petit peu de sirop. Dans un premier temps, un tout petit peu de sirop, parce que c'est comme je dis, c'est dur de changer du jour au lendemain. Donc vous ajoutez un tout petit peu de sirop, vous mettez votre gazeuse, et au fur et à mesure, vous mettez moins de sirop, et vous passerez petit à petit à l'eau pétillante naturelle. Du coup, c'est une petite astuce que je peux vous donner pour arrêter. Parce que je sais que c'est pas facile. Pareil pour les assiettes, ceux qui ont l'habitude de manger par exemple avec beaucoup de sel ou de la sauce mayonnaise, sauce de ketchup, ça faut savoir que c'est pas bon du tout. Faut rayer, faut abandonner. Donc je vous recommande de remplacer par exemple les sauces ou le sel par des épices. Mettez-y du poivre. Alimentez en fait vos repas, vos aliments. Il y a un tas d'épices, du curcuma, du gingembre, du curry, tout ce que vous voulez. Remplacez en fait vraiment tout ce qui est sel et sauce par des bonnes épices. Vous verrez que vos repas seront tout aussi bons et que c'est vraiment meilleur pour votre santé que de vous enrichir de toutes ces mauvaises matières qui sont vraiment pas bonnes pour l'organisme. Donc voilà pour le repas du soir. Le repas du soir. Pour ma part, j'essaie vraiment, après tout dépend, hein, si on est en période de compétition, si c'est dans la vie de tous les jours comme ça, ou si on a un objectif, c'est de perdre du poids ou autre. Donc là, dans ce cas-là, on raye vraiment tout ce qui est protéines le soir et tout ce qui est féculent. Donc, pas de protéines, pas de féculents. Moi, je mange généralement de la salade, une salade César le soir, ou bien une soupe, ou bien une assiette de lentilles. Ou bien les haricots verts, trouvez vraiment le légume qui vous plaît, cuit à la vapeur, et je précise, comme ça garde vraiment tous les nutriments dans le légume, comparé à la cuisson à l'eau, pour vraiment bah, ne pas prendre de poids, parce que c'est le soir, généralement on mange tard. Donc en plus après ça, vous allez vous coucher, le corps il a du mal à digérer. Donc c'est pour ça, il faut vraiment faire attention à bien manger le soir et à manger léger. À manger léger. Donc les légumes, vous pouvez même vous permettre de vous resservir si toutefois vous avez encore faim. Tant que c'est qu'une assiette de légumes, ça va. Donc c'est pour ça le soir, il faut penser à manger léger. On évite les féculents, on évite les protéines, afin vraiment de pas prendre de poids et de faciliter la digestion pour le corps. Ce qu'il faut savoir aussi pour chacun de ces repas-là, c'est qu'il y a l'effet de satiété. Donc, l'effet de satiété, c'est quoi? C'est pendant que vous mangez, votre corps et votre ressenti, c'est super bon. Donc, on mange, on mange, on mange. Mais on ne se rend pas compte, en fait, que parfois, on n'a plus faim. Alors que c'est le cas. Mais entre la communication de ce que votre ressenti et que ça monte à votre tête pour vous dire que ça y est, j'ai plus faim, en fait, ça y est, je suis rempli. Il y a un espace de 20 minutes qui se passe. Donc, c'est pour ça. Il faut vraiment prendre le temps de bien mâcher. Déjà, d'une part, ça aide pour la digestion quand vous mâchez bien. Et en plus de ça, vous prenez bien votre temps pour manger votre assiette. C'est beaucoup plus agréable. En plus, hein, vous passez du temps, pour ceux qui ont des familles, à table avec votre famille, avec votre entourage, etc. Et en plus de ça, vous allez vraiment ressentir du coup le fait d'être rassasié. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important de prendre son temps. Et de passer au goinfré, alors qu'au bout de, si vous avez mangé, peut-être, je sais pas moi, je dis une bêtise, hein, mais une assiette de riz avec des légumes, vous attendez 20 petites minutes, vous allez vous rendre compte que vous avez plus faim. Alors que si vous vous jetez sur l'assiette de riz, vous vous resservez encore, 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 et encore, 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 bah, du coup, une fois que vous avez fini ces trois assiettes et que vous vous rendez compte que oh, oui, vous avez plus faim, et du coup, vous êtes passé à j'ai plus faim, mais en plus, j'ai mal au ventre parce que je me suis trop goinfré. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre son temps. De prendre son temps. Mâchez bien. Mangez tranquille. Attendez une vingtaine de minutes. Et là, vous saurez vraiment si vous avez encore faim ou pas. Une autre recommandation aussi que je peux vous donner, c'est vraiment de ne pas sauter les repas. Pourquoi faut pas sauter les repas? C'est une mauvaise chose de sauter les repas parce que quand on saute les repas, ce que fait notre corps, ce que fait notre organisme, c'est que il va stocker
le moment où vous allez, quand vous allez, votre corps il va stocker quand vous allez lui redonner la nourriture. Donc disons, je mange mon petit déjeuner, je saute mon, je me dis, ah mince, ce matin j'ai trop mangé, alors qu'il faut que je perde du poids et tout, je vais sauter mon repas du midi, je vais aller m'entraîner cet après-midi, et allez, après l'entraînement du soir, j'ai pas faim. C'est bon, je vais aller dormir comme ça, je bois un verre d'eau, ça va aller. J'ai pas faim et tout, je tiens un coup, je mangerai demain. Ce que va faire votre organisme quand vous allez remanger le lendemain, c'est qu'il va stocker. Et c'est vraiment pas bon. Donc du coup, au lieu de faire l'effet, au lieu de perdre du poids en ayant manqué de repas, vous allez prendre du poids puisque votre corps va transformer les aliments que vous avez mangés en graisse. Donc c'est vraiment vraiment pas bon. Donc je vous déconseille très fortement de sauter les repas. Mais vraiment manger, ne sautez pas vos repas, mangez des repas, mais en petite quantité. Je vous montre un peu ce que j'ai reçu aujourd'hui et ce que j'ai l'habitude de manger quotidiennement durant mes journées, mes différents repas. Voilà, Team XS, il y a ma femme qui m'embête pour que je lui fasse une publicité pour Aurore Market. C'est eux là, Aurore Market. Ils nous ont envoyé des petits produits. L'emballage, j'avoue qu'il est sympa. Emballage biodégradable, sympathique. On fait attention à la nature. Bref, tout ça pour vous dire que voilà. J'ai commandé des petits produits. Donc je vais vous montrer aujourd'hui mes placards. Donc ça, c'est mes placards de base. Hein. Ça, vous voyez vraiment ce que je mange, ce que j'achète. Donc moi, de base, je fais mes courses à Carrefour, hein, comme tout le monde. Et ça, c'est le type de produit que je consomme vraiment tous les jours. Donc, mais par contre, au lieu de manger des pâtes comme tout le monde, des pâtes naturelles là, moi je prends des pâtes au blé complet. Donc, je fais vraiment attention à ça, je mange pas de pâtes blanches. J'essaie de faire pareil avec le pain. Je mange plus ou très très peu de pain blanc, mais c'est vraiment de faire attention et de manger que du complet. Donc on retrouve du complet, des nouilles, ça c'est pas complet, moi j'en mange pas. Des complets, des haricots blancs, des légumineuses, très important, des lentilles. Qu'est-ce qu'on retrouve? Des ingrédients bio. Faut faire attention, des lentilles. Des mélanges comme ceci, riz complet, riz rouge, quinoa, des céréales. Des soupes, encore et encore. Et comme je vous disais, je fais vraiment attention à bien manger. Non, comme je vous disais, je fais vraiment attention à bien manger le soir. Donc, comme je vous disais, je fais attention de bien manger le soir. Je favorise vraiment ce qui est soupe, les aliments vraiment légers pour le corps. Pour que mon corps vraiment ait une digestion bien, bien, bien légère et facile pour le soir, durant la nuit. Et comme ça, je peux du coup beaucoup plus me faire plaisir au petit matin. Donc le soir léger, le matin tranquille, on peut manger ce qu'on veut sans se priver. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai reçu. Là, j'ai 5 kilos de riz complet qui va me durer à peu près, allez, facile 2 mois. Facile 2 mois. Farine de blé semi-complète. Pour les petits gâteaux, les crêpes, etc. Les petits plaisirs. Mais on se fait quand même plaisir, mais tout en faisant attention. Donc voilà, il n'y a vraiment pas de. J'ai pas forcément de restriction. Mais c'est juste que c'est important en fait de vraiment bien manger. De se faire plaisir, mais tout en mangeant bien. Donc c'est vraiment possible de bien manger et de se faire plaisir. Pareil pour ce qui est des huiles. Bon, ça, il y en a quand même, mais je vous assure que moi, perso, je n'utilise pas. C'est là parce que on a l'habitude, on a toujours eu, moi, perso, j'ai l'habitude qu'il y en ait toujours chez moi. Donc, l'huile de tournesol. Mais on va facilement retrouver de l'huile d'olive. Donc, ces 2 bouteilles-là, c'est de l'huile d'olive. Et c'est ce que moi, je recommande
comparé à l'huile de tournesol. Donc de l'huile d'olive pour la cuisson, ou encore mieux, j'ai ça, l'huile de coco. Donc ça, vous pouvez vraiment en mettre partout. C'est super bon, c'est super léger. Rassurez-vous, vous ne sentez pas le goût du coco hein, dans l'huile. Mais voilà, c'est ce que moi j'utilise vraiment pour mes cuissons, pour ma cuisson, pour cuire mes différents aliments. L'huile de coco, je recommande encore plus que l'huile d'olive. Et bien sûr, encore plus que l'huile de tournesol. Donc, je vous montre ce qu'il y a dans les différents emballages assez sympathiques. Donc, du couscous complet. Voilà, peut-être que ça. Qu'est-ce qu'on a? On a des lentilles vertes. Et bien sûr, tout ça, c'est bio. Hein. Donc, Aurore Market, tous les produits sont bio avec des emballages super sympas, biodégradables. Des amandes complets pour le grignotage. Ça, c'est des bonnes calories. Du riz basmati complet. Des lentilles de corail. Tout à l'heure, c'était des lentilles vertes. Là, c'est des lentilles de corail. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est super bon également. Du boulgour bleu. Des amandes. Et mes petites noix de cajou. Ah, je vous ai longuement attendu. J'en coutume. Donc voilà. Ça, c'est les petits aliments que je recommande. Du lait de coco hein, pour la cuisson. Je vous rassure, je ne suis pas rémunéré. Je le fais vraiment pour vous rendre service. Moi, je ne gagne pas d'argent derrière tout ça. C'est vraiment voilà, pour que vous puissiez, si vous souhaitez perdre du poids et manger des bons aliments, vous rendre sur leur boutique ou même ailleurs, hein, comme je vous ai dit là-haut. Moi, c'est des aliments de Carrefour que j'ai de base. Là, je vais vous essayer une boutique bio. Donc, si vous voulez essayer également, foncez, allez-y, vous allez retrouver le lien dans la bio. Chez moi, on retrouve également toujours mes petits fruits. Moi, je me fais souvent des smoothies de bananes et de fraises. On a des pamplemousses, on a des oranges. On a également de la patate douce, une bonne petite patate douce. C'est beaucoup mieux que les pommes de terre pour faire des frites bien grasses. Ça, c'est beaucoup mieux, c'est super. J'ai aussi de la levure maltée. Ça, c'est pour remplacer le fromage. Tout ce qui est fromage trop gras là. Bon, moi, je suis pas trop fan. Ça, c'est beaucoup mieux. Donc, c'est beaucoup moins riche. Donc, pareil, je recommande, je conseille. Dans mon frigo également, on peut retrouver des produits frais. Du coup, des tomates. La salade, champignons, des asperges, donc produits frais toujours. La team XS, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, je vous invite très fortement à vous abonner, à liker, à partager, à montrer cette vidéo aux personnes de votre entourage, aux ceux qui ont besoin de conseils nutritionnels. Donc, partagez s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt.